Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Murir Bishmol Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que l'Urfouat Avraham, Uri Ben Reout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à sa communauté éternelle, nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Zain, Mishnah Daled. Ola ta'of she'asa'a lemata, ke maser chatat l'shem chatat. Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin ba. Rabbi Yoshua Omer, En Mo'alin Ba. Amar Belezer, Maim Chatat Shen Mo'alin Ba Lishma, Kishina et Shema, Mo'alin Ba. Ola, Shem Mo'alin Ba Lishma, Kishina et Shema, En Odin Shem Aluba. Amar le Rabbi Yoshua, Lo, Ima Mata Bechatat Shishina et Shema, Leshem Ola, Sheken Shina et Shema, Le Davar Sheyesh Bo Meila. Tomar Be Ola, Sheshina et Shema, Leshem Chatat. שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה. אמר לו רבי אליעזר, והרי קודשי קדשים ששחטן בדרום, ושחטן לשם קדשים קלים יוכיחו. שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה, ומעלין בהן, אף אתה לתטמע על העולה, שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה, שימעלו בה. אמר לו רבי יהושע, לא, אם אמרת בקודשי קדשים ששחטן בדרום, ושחטן לשם קדשים קלים, שכן שינה את שמן, בדבר שיש בו איסור והיתר. תאמר בעולה ששינה את שמה בדבר שכולו היתר. C'est une Mishnah qui est longue parce que c'est un dialogue entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer à propos d'un statut, comment le déduire. En rapport avec la Mishnah précédente où il y avait marqué là-bas les mots Mo'alin Bahen. On explique très brièvement ce qui se passe. D'abord, bien sûr, maintenant on connaît bien la Khatataof et la Olataof. C'est plus la peine d'en revenir trop lourdement. Khatataof, c'est celle qui est faite en bas, par terre, au sol, et qui sera consommé entièrement par les Kohanim, tandis que la Olataof, c'est la volaille que l'on a fait en Ola, en holocauste, on a fait en haut sur le Misbéach, et elle sera consumée entièrement sur le Misbéach, sans qu'il n'y ait aucune part qui revienne au Kohanim. D'accord? Ça c'est pour Khatataof et Olataof. Maintenant, le principe de Meila. Meila, c'est faire un sacrilège, c'est-à-dire consommer, manger quelque chose, tirer profit de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. C'est, on a déjà dit, c'est un très vaste sujet dans la Torah, dans Seder Kodshim, il y a une Maseret entière qui s'appelle de Meila, où là-bas on traite de tous les détails, bien sûr, de cet interdit. Pour ce qui nous concerne, maintenant, le principe de Meila, de faire un sacrilège, c'est simple, c'est-à-dire, quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, quelque part qui appartient à Hachem, alors on n'a pas le droit d'en tirer profit. Si on en tire profit, on transgresse l'interdit de Meïla. On apprenait dans la Mishnah précédente maintenant une règle très intéressante qui nous disait, sache que lorsque tu as un korban qui est initialement, qui revient au Beth Amikdash, ouais, un korban, il faut aller l'offrir au Beth Amikdash, puisque c'est un korban, c'est un sacrifice. Si on tire profit de ce korban, eh ben on transgresse l'interdit de Meïla. Mais une fois qu'on a fait monter ce korban sur le Mizbeach, alors on va s'intéresser à voir qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de la viande que l'on a. Si on doit même la donner à manger au Kohanim, par exemple, alors puisque ça a été la possibilité de consommer a été partiellement donnée, alors l'interdit de Meïla sera totalement levé. C'est-à-dire, si je veux résumer simplement, on va prendre un korban, khatat par exemple. Un khatat, pas de volaille, même de kisba ou saïra, de brebis par exemple. Alors, le khatat, il est kadosh, en théorie on n'a pas le droit d'en tirer profit, mais malgré tout, puisqu'il est consommé par les kohanim, alors là on a donné une certaine dérogation de manger ce qui est pourtant kadosh. De ce fait, si quelqu'un qui n'est pas invité à le manger va le manger, il ne va plus transgresser l'interdit de Meïla. Il transgressera d'autres interdits, mais pas l'interdit de Meïla, il ne sera pas passible du korban. Ça c'est pour les données générales. Et j'hésite à introduire un autre petit détail où ça va faire trop, mais d'un autre côté, ça nous aidera pour qu'on arrivera tout à la fin de la Mishnah. Alors, je vous le dis très brièvement aussi quelque chose d'autre. Regardez, le korban khatat, je viens vous prendre le cas d'un korban khatat, par exemple. Une vraie brebis, pas une volaille. Il y a quelque chose de très de particulier quand même. C'est que je vous ai dit, le korban khatat, une fois qu'on l'a fait au Mizbar, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Pourquoi ? Puisqu'il est partiellement l'interdit, le droit de consommer est partiellement donné, donc
l'interdit de consommer, en fait, il est partiellement levé. De ce fait, il n'y aura plus de Meïla pour personne d'autre. Mais avec une exception quand même. C'est que même lorsque je vais faire le Korban Khatat, vous savez bien qu'il y a des graisses qu'il va falloir faire monter sur le Misbeach. Et ces graisses-là, elles n'ont pas eu d'interdit levé. Il n'y a pas eu aucune dérogation pour un étranger de les manger. C'est les parts qui reviennent à Hachem. Et de ce fait, celui qui va manger ces parts-là, il transgressera un interdit de Meïla. D'accord ? C'était le petit détail à rallonger pour maintenant aborder notre Mishnah Bezrat Hashem. On commence à traduire. On va parler d'une Olata'of, Shasa Lemata, Kama Sechatat, Leshem Chatat. Olata'of, donc, Torim, Obneyona, un pigeon ou une tourterelle, qui devait monter en Ola, on devait monter sur le Misbéar. Le Kohen devait là-bas l'abattre et puis la brûler entièrement, parce que c'était une Ola. Ce qui s'est passé, c'est que ce Kohen étourdi, il s'est trompé de lieu, il est parti en bas, là où il était censé faire un korban khatat, et il a procédé exactement comme un korban khatat au nom d'un khatat. Il a procédé comme un korban khatat, ça veut dire qu'il n'a pas sectionné complètement la tête, mais juste un seul des deux siman, il lui a coupé, et puis il a aspergé le sang comme un khatat, et oh, il a fait tout ça au nom d'un khatat. Il s'est trompé, d'accord, mais parfaitement. Au point où toute la Ola, elle est devenue comme une khatat apparemment. Question, est-ce qu'il y aura un interdit de Meïla? Je m'explique un petit peu mieux. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait appris, donc comme ce qu'on a introduit, que une khatat off, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Une olata off, il y a un interdit de Meïla. Quelle est la différence fondamentale entre une khatat off et olata off? Khatat off, elle est consommée par les Kohanim de ce fait, puisqu'elle est partiellement, puisqu'elle a été permise à des humains, à des hommes, de ce fait, tous les hommes, lorsqu'ils vont la manger, ne vont plus transgresser d'interdit de Meïla. Ça, c'était pour la Khatata Off. En l'occurrence, selon le même principe, si je prends une Olata Off, ouais, donc, qui devrait y avoir un interdit de Meïla, puisqu'elle n'est pas consommée par les hommes, mais je la fais au nom d'un Korban Khatat. Je procède aussi comme un korban khatat. De ce fait, en théorie, alors il devrait y avoir un interdit de Meïla encore au-dessus. Pourquoi? Parce que ça peut faire que tu as fait au nom d'un khatat. C'est pas devenu un khatat pour autant. C'est resté quand même une Ola. C'est resté une Ola mal faite. D'accord? Donc si c'est une Ola mal faite, elle devrait être interdite formellement à tout le monde, à quiconque, d'être consommée. Et donc il devrait y avoir un interdit de Ola, de Meïla dans toute son ampleur. Et c'est effectivement l'avis de Rabbi Eliezer. Et je vous dis tout de suite, je vous vends la mèche, ce sera plus facile pour ensuite. Rabbi Yoshua va nous dire, non, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Quelque chose de très original. Rabbi Yoshua pense que si on a procédé avec la Ola Ta'of, on l'a faite à 100% comme une Khatat Ta'of, au nom d'un Khatat Ta'of, on a réussi à lui changer son nom et à la rendre une Khatat Ta'of avec un statut très original où c'est une Khatat Ta'of qui ne vient pas expier quelque chose. Elle n'a plus la capacité d'expier, mais elle a quand même un Khatat Ta'of qui sera consommée par les Kohanim. De ce fait, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. D'accord? Bien sûr, durant toute cette Mishnah, ils vont débattre pour prouver qui a raison, qui a tort. Et Bezrat Hashem, on va lire, on va le faire de manière assez légère, d'accord? Si on a compris le principe, il faut bien distinguer quand même lorsqu'on étudie des Mishnayot. On ne fait pas de la Gemara où il faut comprendre forcément chaque question. C'est sûr que plus on comprend, mieux c'est. Mais malgré tout, retenir l'essentiel. Et l'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est donc retenir c'est quoi l'interdit de Meïla, d'accord, faire un sacrilège, quand il s'applique face à un korban qui n'est pas du tout consommé par les hommes, d'accord, par contre quelqu'un qui est un korban qui peut être partiellement consommé, il n'y a plus d'interdit de Meïla, et même dans un korban qui peut être partiellement consommé, alors on a dit bien sûr, s'il y a des parts qui vont être interdites formellement à la consommation parce qu'elles doivent être brûlées sur le misbéach, sur ces parts-là, il y aura quand même un interdit de Meïla. Et de ce fait, on s'est retrouvé avec une marloquette sur la Khatat Olata'of, qui a tout fait comme le rituel de la Khatat le requiert, au nom de la Khatat, que dans ce cas-là, il y a un Yoshua qui va nous dire, sache qu'elle a changé de statut, qu'elle sera même permise au Kohanim, donc il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Ok? Maintenant, on fait tout ça dans les mots, donc. On a déjà introduit la première phrase. Olata'of shasa le mata, kema se khatat le shem khatat. Alors Rabbi Eliezer Omer, Moalinba, on transgresse l'interdit de sacrilège si on la mange. Pour quelle raison? Parce que c'est une Ola, donc interdit à la consommation, même si la faute non d'un khatat, eh bien alors, elle est tout simplement mal faite. C'est une Ola mal faite.
dans sa nature, c'est une hola mal faite. Donc, elle ne peut pas devenir permise à la consommation plus qu'une hola qui est interdite à la consommation. Donc, il y aura un interdit de hola. Rabbi Yoshua Omer, en mo'alinba. Selon Rabbi Yoshua, il va nous dire en mo'alinba. On regarde tout de suite dans le Bar Tenora. Regardez, de kevan de shina shema, ou ma'asea, ou mekoma, le shem chatat, na'asit chatat. Voilà la phrase clé de Rabbi Yoshua à retenir, qui ne va pas être écrite dans la Mishnah d'ailleurs, qui nous dit que, étant donné qu'il a changé son nom et son rituel, sa manière de procéder, ou mekoma, et son lieu où l'a fait, le shem chatat, et qu'il l'a fait au nom d'un chatat, na'asit chatat, elle est devenue une chatat. Donc si c'est devenu une chatat, elle devient permise au Kohanim et interdite au Am Israël. Ok. Chacun va maintenant prouver à tour de rôle. On commence avec Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer qui nous dit que Mo'alinba, parce que ta khatat, ta hola, ta off que tu as mal fait, tu ne l'as pas transformée en autre chose. Elle a aussi une hola mal faite. Et il nous dit comme ça. Ma'im khatat she'en Mo'alinba lishma, au même titre qu'un korban khatat. D'une kisba, par exemple, en mo'alinba lishma. On ne transgresse pas d'interdit de meila lorsqu'on le fait lishmo. Pour quelle raison? Parce que le korban khatat qu'on fait lishmo, alors il est partiellement permis au kohanim. Et malgré tout, ce même korban khatat, kshishina tchema mo'alinba, si toutefois le khatat on l'a mal fait, un vrai korban khatat, alors il y aura oui un interdit de meila. Pour quelle raison? Souvenez-vous. Kol azvachim shenizbechu shelo lishman kshirim, chutz min hakorban min hapesach min hakhatat. On avait appris qu'un korban khatat qu'on a fait shelo lishmo, il est interdit à la consommation. Il a été invalidé et donc on a empêché la possibilité de le faire, de le rendre un korban qui sera un jour consommable. De ce fait, sur ça, c'est une halakha claire que personne ne discute que un khatat fait offert chez l'olishmo au nom de quelqu'un d'autre, et ben en transgressant un interdit de Meïla dessus, parce que cette fois-ci il n'y a plus d'interdit levé. Et ça, toi, Rabbi Yoshua, tu es d'accord? Hein, Rabbi Yoshua? Alors de ce fait, une Ola, il continue son raisonnement, Ola chez moi, l'inba lishma, une Ola ta'of, que. Machate ta'of. D'accord, une petite parenthèse. Il n'a pas parlé forcément d'une kisba ou d'une seira, il a parlé de tous les khatat, même d'un khatat. D'accord, ça vient même. Je reprends la phrase depuis le début, je rectifie. Amar Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer, ma im khatat she'en mo'alin balishpa, ma, au même titre qu'un khatat, ça peut être une khatata off, il n'y a pas d'interdit si on l'a fait lishma, quand on l'a bien fait, mais malgré tout, kshishina et shema, mo'alin ba, lorsque la khatata off, il a transformé, il a fait au nom d'une Ola, alors on est Moël. Pour quelle raison? Parce que un korban khatat qu'on a fait chez l'Olishmo, il est devenu pasoul, il est devenu invalide à la consommation. Et la Mishnah précédente, elle nous incluait dans tous les cas que même la khatata of shasa chez l'Olishmo, puisqu'elle a été invalidée, alors elle n'a plus de permission pour l'inconim, donc on transgresse l'interdit de Meïla. De ce fait, Ola chez Moalin Balishma, une Ola que si toutefois tu l'as fait comme il se doit, qu'il y aura déjà un interdit de Meïla, Shishina et Shema, Enodin, Shema, Aluba. Lorsqu'il a changé son nom, n'est-ce pas, plus forte raison, qu'il y aura un interdit de Meïla, de sacrilège. Principe simple. Ouais, retenez bien, la Khatata Off, il y a une certaine permission, mais lorsque tu l'as fait mal, interdit. Et il y a un interdit de Meïla. Olata Off, que même lorsque tu l'as fait bien, il y a un interdit de Meïla. Lorsque tu l'as fait mal, n'est-ce pas plus forte raison qu'il devrait y avoir un interdit de Meïla? C'est logique, non? Ouais, je reprends encore une fois. Khatata off, il y a une certaine permission donnée. Si tu l'as mal faite, c'est grillé. Il y a un interdit de Meïla. Olata off, que même lorsque tu l'as fait bien, il y a un interdit de Meïla. Quand tu l'as mal faite, n'est-ce pas plus forte raison qu'il devrait y avoir un interdit de Meïla? C'est les mots de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua rétorque. Amar lo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua le rétorque et lui dit Lo! Imamarta bechatat. Si tu as dit dans un korban khatat, shishinat shema leshem ola, où il a transformé, il a mal fait, il a fait au nom d'un ola. Tu sais pourquoi elle est grillée, ta ola, ta khatat? Parce que sheken shina et shema le davar sheyesh bo meila. Parce qu'il s'avère qu'à présent, lorsque la khatat, il a transformé, il a fait au nom d'une ola, tu crois
qu'il y aura un interdit de Meïla uniquement parce que c'est une khatat mal faite, ce n'est pas la raison. La vraie raison, elle est parce que comme tu l'as fait au nom de quelque chose qui a pas d'interdit de, qui a un interdit de Meïla, alors tu as transformé ta khatat en Ola. Et inversement, de ce fait, Sheken Shinat Shema, les davar chez Yeshbo Meïla, il aura transformé, changé son nom en, pour devenir une chose sur laquelle il y a un interdit de Meïla. Tomar Baola, vas-tu dire la même chose dans une Ola Ta'of, chez Shinat Shema, les Hashem Khatat, où il aura, qu'il aura apporté au nom d'un Khatat. Sheken Shinat Shema, les davar chez Enbo Meïla, où il aura donc transformé, modifié son nom en quelque chose sur lequel on n'est plus passible de Meïla. C'est-à-dire, finalement, Rabbi Yoshua vient nous enseigner, en fait, ce qu'il y avait effectivement dans le Bar Tanoura, que on a, sache que lorsque tu as fait la Ola au nom d'un Khatat, comme un rituel de Khatat, c'est devenu un vrai Khatat. Et c'est pour ça que tu es dispensé. Et lorsque la Ola Ta'of, donc là, si tu prends ta Khatat Ta'of, certes, tu n'auras pas d'interdit de Meïla lorsque tu l'as fait comme il se doit. Mais quand tu vas la faire au nom d'une Ola, ben sache qu'il y aura un interdit de Meïla. Tu sais pour quelle raison? Pas uniquement parce que c'est une khatat mal faite. Non. Lorsque tu l'as modifiée, tu l'as rendue Ola, eh ben, elle est réellement devenue une Ola. Et sur la Ola, il y a un interdit de Meïla. Tandis que lorsque tu fais la situation inverse, la Ola, tu l'as fait au nom d'un khatat, eh ben, tu as fait qu'à présent, la Ola, elle est devenue une khatat. Et donc, dans ce cas-là, une khatat, elle est dispensée de l'essor de Meïla. C'est clair, c'est pas sorcier. On continue maintenant. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a rétorqué. Alors là, sache que Rabbi Yoshua, je ne suis pas d'accord. Quelque part, on a maintenant une discussion assez essentielle, même sur une khatata'of qu'on a rendue olata'of. Pour quelle raison il y aura un interdit de Meïla? Selon Rabbi Eliezer, c'est parce qu'elle est mal faite. Selon Rabbi Yoshua, c'est parce qu'elle est devenue une Ola. D'accord? C'est là la discussion en fait. Selon Rabbi Eliezer, c'est mal fait. Ça reste une khatat dans son entité. C'est, ouais, intrinsèquement, ça reste une khatat. Une khatat ratée. Mais une khatat. Et Rabbi Yoshua va nous dire, non, ta khatat, tu l'as fait au nom d'une Ola. C'est devenu une Ola. Donc, qui va lui octroyer maintenant l'interdit de Meïla? C'est le fait que c'est devenu une Ola. C'est pas le fait que c'est une khatat mal faite. De ce fait, dans le cas inverse, lorsque c'est une Ola que tu as fait au nom d'un khatat, alors il n'y aura plus d'interdit. D'accord? Alors, Amalo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a rétorqué maintenant Rabbi Yoshua. Vare Kodashim, Kodesh Kodashim. Sheshratan Badarom. Maintenant, il va se rapporter à tous les autres korbanot. Tous les Kodesh Kodashim. Lorsqu'il les a, Sheshratan Badarom, il les a égorgés dans la partie sud du Misber. Ou Shratan Hashem Kodashim Kalim, Yochichu. Et il les a égorgés au nom des Kodashim Kalim, Yochichu. Un petit exemple, on va prendre un korban Ola qu'il a fait au nom d'un Shlamim. D'accord? On a un cas d'un Kodesh Kodashim où on t'avait demandé de le faire. Honor. Et tu es parti le faire au sud, au nom d'un Kodashim Kalim, au nom d'un Shlamim. Et bien sache que dans un cas pareil, Sheken Shinat Sheman, les Davar, Sheen Bo Meïla. Il y a une grande règle que dans les Shlamim, il n'y a pas un interdit de Meïla. C'est des raisons un peu différentes. C'est trop lourd de tout expliquer dans les détails. Ouais, j'utilise mon joker ici. Pour les Kodashim Kalim, spécifiquement, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Et malgré tout, au Moalin Bein, lorsqu'on va faire un Kodesh Kodashim, qu'on va le rendre, mais il a, on va le faire au nom d'un Shlamim, comme un Shlamim, ouais, en se trompant parfaitement, et ben sache qu'il y aura un interdit de Meïla, c'est pas devenu un Shlamim. Dans ce cas-là, Afata, toi aussi, Rabbi Yoshua, Altitma à la Ola, ne t'étonne pas de la Ola, hein, lorsque je te dis que. Que bien qu'il a changé en quelque chose sur laquelle on n'est plus passible d'interdit de Meïla, en khatat en l'occurrence, malgré tout, im aluba, il y aura quand même un interdit de faire un sacrilège. Rabbi Yoshua a simplement rapporté une preuve que une ola que tu as fait au nom d'un khatat, elle ne devient pas un khatat. Elle reste une ola foirée, une ola ratée. Et de ce fait, tous les statuts, le statut de la Ola, c'est-à-dire qui a un interdit de Meïla sur lui, eh ben, il sera encore présent lorsque tu vas faire la Ola au nom d'un Khatat. La grande preuve de Rabbi Eliezer, c'est de tout simplement rapporter tous les korbanot.
un vrai corban avec une vraie brebis, par exemple, elle était censée être Ola, par exemple, ouais, même s'il n'y a pas de Ola Nekeva, mais c'est pas grave, elle devait, un vrai Ola, tu l'as fait, ouais, un mouton, tu devais le faire en Ola, tu t'es trompé, t'es parti le faire au sud comme un shlamim. Sur ça, c'est une halakha claire que même toi, Rabbi Yoshua, tu es d'accord qu'il y a un interdit de Meila. Comment c'est possible? Shlamim, il n'y a pas de Meila. Réponse: lorsque tu prends une Ola et tu la fais au nom d'un shlamim, c'est pas devenu un shlamim, ça reste une Ola mal faite. Et de ce fait, une Ola, on est passible de Meila. Donc, de ce fait, on reste passible de Meila parce que ça reste une Ola mal faite. Donc, il en va de même pour la Ola Ta'of. Lorsque tu l'as faite au nom d'un khatat, alors c'est une Ola mal faite, donc il devrait y avoir un interdit de Meila. Ok? Omar lo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui a rétorqué lo. Mauvais exemple. Je t'explique la différence essentielle. Lorsque tu parles, toi, d'un kochi kodashim, shishratan badarom, shishratan eleshem kodashim kalim, c'est-à-dire un kochi kodashim, une ola, un korban ola, un mouton ola, que tu as égorgé au sud, au nom d'un mouton shlamim, tu sais pourquoi il y a une meila là-bas? Sheken shina et sheman bedavar sheeshbo isur ve'eter. Il s'avère qu'en fait, il a transformé son nom, au début c'était une ola, netto, qui était entièrement pour le misbéach, et finalement, il est parti l'égorger au nom d'un shlamim, où il y a quand même dans un shlamim, il y a une certaine part qui va monter sur le misbéach. Et par rapport à cette petite part-là, par exemple, les graisses, elles vont de toute façon, même dans un shlamim, elles vont monter sur le misbéach. Donc, ça fait que par rapport à ces graisses, elles n'ont pas changé de statut. C'est ce qu'on appelle d'avoir chez Shbo, Issur ve'eter. Il y a des parties permises et des parties interdites dans les shlamim. De ce fait, lorsque tu as changé le khatat en Ola, sache que, excuse-moi, quand tu as changé la Ola en Shlamim, sache que par rapport aux graisses, l'interdit de Meila initial, il est encore resté présent. Et puisque cet interdit initial, il est resté présent, eh ben, il n'a pas changé de statut, ça reste Meila à cause des graisses, d'une Ola. C'est compliqué à expliquer et je ne peux pas trop ramanger. Et d'accord, prenez-le tel quel. Donc, je reprends encore une fois. Il y avait les graisses. Lorsque j'ai pris mon mouton Ola et je l'ai transformé en shlamim, est-ce que j'ai réussi à lui transmuter son nom? Est-ce que c'est devenu un shlamim pour autant? Réponse: les graisses m'empêchent de faire cette métamorphose. Pourquoi? Les graisses, elles étaient interdites et elles restent interdites. Puisque même lorsque c'est devenu un shlamim, les graisses, il y a encore un interdit de Meila. Et s'il y a un interdit de Meila sur elles, c'est parce que finalement elles proviennent de quelque chose qui était une Ola. Donc, par leur intermédiaire, quelque part, la Ola n'a pas réussi à être métamorphosée. Voilà ce qu'il veut dire, en fait, le principe. D'accord? C'est plus délicat à expliquer. Mais voilà. De ce fait, il rétorque Tomar, Be Ola, Shishinet, Shema, Bedavar, Shekoloeter. Vas-tu dire la même chose lorsque tu vas prendre une Ola Ta'of? Que s'il a métamorphosé en Khatataof, alors il a métamorphosé, il a modifié, il a changé pour quelque chose qui est entièrement consommable par les Kohanim, sur le Kuloeter qui est entièrement permis. Il n'y a aucune part qui reste interdite telle qu'elle était. Donc là, la métamorphose, la transmutation, elle a pu marcher et la Khatat, la Olataof, elle est devenue une Khatataof, donc il n'y aura plus d'interdit de Meila. J'espère que ça a été assez clair. Je pense que, Baruch HaShem, on s'en est bien sorti. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.